Nous allons avoir notre première table ronde consacrée donc aux perspectives économiques, essayer de décrypter où le pays en est avec Magali Cézanna qui va nous rejoindre, que je vais présenter dans un instant, et puis avec Laurent Dupuch qui sera en ligne avec nous depuis Kiev, hein, qui est le patron de Lukersis Bank, qui appartient à la BNP et aussi à la Baird pour 40%, et qui connaît très très bien l'Ukraine. Est-ce qu'il est branché déjà? Bonjour madame. Est-ce qu'il est branché? On va essayer de le brancher. Donc Laurent Dupuch, vous m'entendez? Oui, on vous entend et super. On doit vous voir. Voilà, ben bravo. Merci à vous donc d'être en notre compagnie. Je vous passerai la parole tout à l'heure, vous pourrez nous présenter la banque et puis nous expliquer un petit peu ce que veut dire aujourd'hui de travailler dans cette logique de reconstruction donc pour l'Ukraine. Merci à vous. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Magali, donc chef du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises à la DGT, donc à la Direction Générale du Trésor. Alors, pour un peu faire un point, avoir une analyse déjà sur la situation actuelle, fort effondrement évidemment suite à l'invasion par la Russie, l'effondrement du PIB estimé à plus d'un tiers en 2022, un beau rebond autour de 5% en 2023. Et puis là, on est toujours sur un rebond, mais qui est, disons, un peu plus faible. On est autour de 4%, surtout quand l'Ukraine est évidemment frappée de plein fouet par les terribles frappes russes dans tous les domaines. Quelle est un peu votre grille de lecture? On a quand même l'impression qu'on avait une économie qui a aujourd'hui quand même une certaine résilience, notamment tirée par des très bonnes performances à l'exportation. Bonjour madame, bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir convié. Je remercie Business France en particulier. Vous l'avez dit, alors les perspectives, elles sont à regarder au regard de ce qu'a subi l'Ukraine quand même. Oui, bien sûr. Et de l'ampleur du choc qu'a représenté l'invasion du pays. Il faut quand même avoir en tête qu'au-delà des milliers de victimes, vous avez beaucoup de gens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. À peu près 3,7 millions de personnes, et à l'extérieur, beaucoup d'Ukrainiens qui sont à l'extérieur des frontières, plus de 7 millions de personnes, et un taux de pauvreté évidemment qui a explosé, qui était aux alentours de 5% et qui aujourd'hui atteint à peu près 24%. Donc vous avez parlé, et ça a été dit tout à l'heure, notamment par Pierre, de l'impact aussi sur les infrastructures. Bien sûr, oui. Y compris énergétique. Donc il faut quand même avoir tout ça en tête. Malgré ce qui marque, en tout cas ce qui nous marque, nous, c'est cette résilience. C'est la résilience. Ouais. Certes, le PIB s'est effondré évidemment l'année de l'invasion à moins 30%, mais depuis, il est positif, il remonte. Alors vous avez cité le chiffre d'à peu près 5% pour l'année dernière et un petit peu moins peut-être pour cette année, mais le FMI table sur 6,5% pour l'année prochaine. Donc on est plutôt dans des bons chiffres, avec un taux d'inflation qui aussi a été maîtrisé. Oui, oui. Il a explosé au moment de l'invasion à 26%. Il est redescendu. La monnaie ne s'est pas écroulée non plus. La monnaie ne s'est pas écroulée, exactement. Oui. Donc c'est cette résilience qui nous marque et qui est due à notre sens, et c'est ça qui est intéressant. Je vais pas vous accabler de chiffres, mais qui est due à une conjonction de facteurs. Le premier, c'est l'adaptation en fait du pays. C'est le fait que les acteurs économiques, aussi se sont déplacés aussi sur le territoire, sont allés sur les zones et avec les populations aussi, les zones qui sont pas moins impactées, on va dire, par le conflit. Si je prends l'exemple, vous parlez des exportations, mais si je prends l'exemple de l'agriculture, hein, grand pays agricole, l'Ukraine. Aujourd'hui, la production est à peu près la même qu'avant-guerre, alors qu'il y a à peu près 20-30% des terres qui ne sont pas cultivables, enfin qui l'étaient et qui ne le sont plus, et avec des difficultés logistiques qui sont importantes. Et autre facteur, donc c'est quand même, évidemment, cette résilience, d'abord on la doit aux Ukrainiens, oui, on a beau les aider, mais c'est quand même aux Ukrainiens qu'il faut, et au secteur public ukrainien, aux entreprises publiques ukrainiennes qui ont continué à maintenir, en fait, que ce soit les infrastructures en matière ferroviaire, en matière énergétique, etc., et à maintenir le fonctionnement du pays, de même que, évidemment, et à l'aide, on en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais à l'aide apportée par la communauté internationale. Alors, quelles sont aujourd'hui quand même les perspectives que vous voyez? Encore une fois, la croissance est un peu revue à la baisse parce que le pays
terriblement impactée, évidemment, par ce conflit qui risque de s'éterniser, vraisemblablement, on part pour plusieurs années, on peut penser. Et puis, c'est l'hypothèse de ces frappes russes toujours plus dévastatrices, vous l'avez dit, sur les personnes, les infrastructures, le monde économique, etc. On sait que les besoins de financement sont très importants, effectivement, soutenus par la communauté internationale. Le FMI pose les besoins de financement, par exemple, à 120 milliards hein, sur 3 ans, par exemple, hein, pour l'Ukraine. Comment voyez-vous, vous, les choses? Est-ce que vous pensez que cette croissance peut se maintenir? Vous avez dit certaines institutions estiment que la croissance sera meilleure encore en 2025. Quelle est, vous, votre grille de lecture, si tant est qu'on puisse avoir, s'y retrouver sans lire dans le marc de café, tant les événements hein, peuvent changer la donne? Je ne vais pas essayer. À Bercy, on ne lit pas beaucoup dans le marc de café. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Il faut quand même le reconnaître. Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, les perspectives à long terme, elles sont évidemment plus faciles à évaluer qu'à court terme. Parce que c'est un pays qui a énormément d'atouts. C'est un grand pays avec une population formée. C'est un pays qui a un potentiel en énergie renouvelable. Il y a les atouts consubstantiels, on va dire, qui existaient déjà avant le conflit. Et il y a son rapprochement avec l'Union européenne. Et donc, les faiblesses antérieures, je dirais, de l'Ukraine, du fait de son rapprochement et de la convergence imposée, d'ailleurs, par l'Europe avec la facilité Ukraine et les conditions qui sont afférentes, font que le pays s'est engagé vers une trajectoire qui va booster, en fait, ses atouts. À titre de comparaison, vous voyez que... sous le régime soviétique, avant la chute du mur, voilà, le PIB de l'Ukraine était à peu près celui de la Pologne. Aujourd'hui, celui de la Pologne, indépendamment du conflit, hein, celui de la Pologne est 7 fois supérieur à celui de l'Ukraine. Donc, et ça, on le doit, c'est le grand succès, je pense qu'on ne communique pas assez là-dessus, on le doit à l'Union européenne. À ce qu'elle apporte au pays, et elle n'apporte pas qu'un grand marché, elle apporte avant tout une convergence, une gouvernance, etc. Donc les atouts de l'Ukraine qui préexistaient vont se démultiplier. À court terme, alors ça je vous ai parlé du long terme, du moyen terme, à court terme évidemment c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce que ça dépend de la durée du conflit, de l'intensité des frappes, et vous l'avez dit, Pierre l'a rappelé, les frappes sont particulièrement sévères et au-delà de l'aspect humain, détruisent aussi les capacités énergétiques du pays, donc à court terme c'est difficile à dire, donc moi je vais me baser sur les chiffres qu'on a, c'est-à-dire ceux du FMI. Aujourd'hui, certes, la croissance a été revue à la baisse, elle est peut-être aux alentours de 3%, mais l'année prochaine, ils évaluent à 6,5%. Et au-delà des chiffres, je vais aussi me baser sur ce qu'on a vu depuis 2 ans. On a parlé de cette résilience, les institutions ukrainiennes continuent à fonctionner, les salaires des fonctionnaires sont payés, les pensions des retraités continuent à être versées dans quasiment leur totalité. Donc, le pays, depuis 2 ans, malgré tout ce qu'il a vécu, a continué à fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas à court terme dans les mois qui viennent. Eh ben, je vous retrouverai tout à l'heure hein, sur notamment le bilatéral. C'était intéressant hein, de comparer à la Pologne, hein, qui s'est positionnée en sous-traitant, hein, évidemment, de l'Europe, mais pas seulement, hein, et aujourd'hui qui connaît une véritable croissance. Mais évidemment, deux pays assez comparables. Hein, on peut penser qu'il y a une trajectoire assez favorable hein, qui peut se dessiner pour l'Ukraine à plus long terme. Donc, merci à vous. Alors, Laurent, on part en Ukraine. Vous m'entendez bien, voilà. Vous êtes donc le patron de Lukoil. Oui, très bien, vous m'entendez? Voilà, oui, super, merci à vous. Filiale de la BNP depuis longtemps, c'est la deuxième banque étrangère hein, en Ukraine. Vous êtes présent depuis 2020. Voilà, bon, si vous voulez nous donner un peu quelques chiffres sur les agences, etc., puis le nombre de clients, les entreprises, etc. Et puis très vite, un peu nous dire quelle est un peu la... Qu'est-ce que ça veut dire pour votre banque en activité aujourd'hui hein, de répondre aux besoins du pays dans ce nouveau contexte, hein, après le choc, après la résistance, qui est celui de tenir face au conflit qui s'éternise, et on le disait, et face à la violence des frappes russes du régime de M. Poutine. Qu'est-ce que vous voudriez nous faire passer comme message? Donnez-nous quelques chiffres et puis le message sur la stratégie de votre banque en activité dans le contexte. Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, Ukrecibank... Oui, on vous entend. Voilà.
Crucy Bank, BNP Paribas, en fait, c'est une banque universelle, une banque du quotidien, une d'importance systémique et stratégique pour le pays. Vous l'avez rappelé, elle est détenue à 60% par BNP Paribas, 40% par la Bird. Peut-être montez-vous votre son, montez votre son peut-être. Ouais. Et puis voilà, ici, vous m'entendez mieux là ? Montez votre son au maximum. Voilà, c'est au maximum là. Le son, le son, le son. Ouais. Le son. Vous m'entendez ? Pas beaucoup mieux, et à la technique, est-ce qu'on peut arranger les choses ? Allez, essayez de... Allez-y, parlez. Bon, alors, je parle là, vous m'entendez ? Parfait. Bon, voilà, alors donc, qu'est-ce que ça représente en chiffres ? Nous avons 5000 collaboratrices et collaborateurs qui travaillent au quotidien pour servir 2 millions de clients en Ukraine. Hein. Ça va des particuliers, des entrepreneurs individuels, des PME, mais aussi des grandes entreprises. Et on opère à travers un réseau... tous les jours de 200 agences bancaires qui travaillent de l'ouest à l'est, du sud au nord, de Kherson à Soumy, de Lviv à Kharkiv, Zaporijja et Dnipro. Nous n'avons jamais arrêté de travailler et nous continuons à le faire. Un réseau aussi de distributeurs, 700 ATM à travers le pays, des plateformes digitales et commerciales qui travaillent à distance et avec des positions de force en Ukraine et notamment auprès de la clientèle internationale présente où nous sommes leaders. Voilà, donc ça c'est Crucy Bank BNP Paribas. Et effectivement... à l'image du secteur bancaire aussi, qui a été résilient et qui n'a jamais cessé de travailler. Nous avons continué à travailler, à exécuter les transactions, les paiements. Et vous les avez rappelé dans votre séquence, dans ce nouveau temps qui est la préparation au temps long, en fait, après le choc, après l'adaptation et le temps long. Aujourd'hui, notre priorité pour nous, en tant qu'opérateur important en Ukraine, c'est forcément de continuer à soutenir nos équipes. Ça a été rappelé précédemment, c'est fondamental de soutenir les équipes parce que c'est le minimum pour pouvoir travailler. Et il y a encore beaucoup de déplacés dans le pays. On n'en parle pas toujours, mais par exemple, chez nous, nous avons un tiers de gens qui ont dû changer leur domiciliation, leur ville de vie et de travail au sein du pays. Donc, soutien aux équipes et notamment pour pouvoir passer l'hiver. Continuer à servir nos clients, à exécuter nos transactions, à assurer la permanence de nos applications Internet et à faire en sorte que toutes nos agences fonctionnent à travers un réseau organisé par la Banque centrale de Power Banking où nous sommes capables de fonctionner même en cas de coupure énergétique. Donc, deuxième priorité, la continuité d'activité. Et enfin, financer l'économie. C'est important, c'est le deuxième front économique est fondamental et la demande de crédit et nos crédits redémarrent et nous accompagnons les projets de nos clients, qu'ils soient particuliers, PME ou entreprises, avec des secteurs extrêmement importants et on l'a cité, je le reciterai aujourd'hui, la priorité dans la résilience, c'est le secteur énergétique qui est très important, au-delà aussi du secteur de la sécurité, de la défense ou de l'eau et des traitements des eaux. Et donc ça, nous redéveloppons effectivement et l'accompagnement des projets de nos clients. Donc on agit et on contribue à la résilience au quotidien et on prépare la reconstruction avec une action particulière que nous faisons au sein du groupe BNP Paribas. Nous animons, vous savez, un grand réseau interne One Bank for Corporate et régulièrement, nous faisons online ou sur site des interventions auprès de nos équipes corporates dans le monde entier et bien sûr en France pour mobiliser nos équipes et leurs clients. Voilà. Alors Laurent, vous m'aviez dit au téléphone, vous investissez 30 millions à peu près par an, notamment en outils informatiques, en digitalisation sur place. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez dit que le secteur économique répond présent, ce qui corrobore un peu ce que disait Madame Cézanna. Le ressenti des agents économiques ukrainiens aujourd'hui, est-ce que la demande de crédit réaugmente ? Est-ce qu'on est dans des logiques d'investissement récurrent, voire nouveau aujourd'hui, quand on vient sonner à votre porte ? Qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus ? Alors. Ça a été dit, les acteurs économiques ukrainiens se sont adaptés à cette nouvelle réalité. Après le choc, l'adaptation et maintenant le temps long, parce qu'on peut dire, voilà, ça va peut-être durer 3 ans encore, il faut se préparer à cela. Et ça, c'est très important parce qu'on est vraiment face à une dualité, à une tension. D'un côté, la guerre, elle est réelle, elle est brutale, elle est quotidienne, ça a été rappelé. Il y a pas de déni, il faut y faire face. Et d'un autre côté, la vie économique, le soutien économique est fondamental. Et les acteurs économiques se sont adaptés avec aujourd'hui, une redéfinition de leur business model, et je le vois moi dans les flux créditeurs de mes 2 millions de clients, on a dépassé les niveaux d'avant-guerre. Donc il y a une vraie adaptation. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aujourd'hui que les acteurs économiques priorisent leurs actions dans le temps long. À partir du moment où on se met dans un temps long, il faut choisir qu'est-ce qui est important aujourd'hui comme action
pour tenir. Donc c'est d'abord les actions de résilience et d'action et de continuité d'activité pour nos clients aussi, avec des points d'intérêt importants, c'est bien sûr les aspects ressources humaines et mobilisation, et les aspects énergétiques où les acteurs économiques et notamment les entreprises vont devoir s'équiper, s'adapter pour faire face au déficit d'énergie, puisque priorité sera donnée aux ménages. Donc, des investissements récurrents réapparaissent. On voit une croissance depuis plusieurs mois du crédit sur la place et dans nos livres en tant que UCRESIB Bank, BNP Paribas. Mais cette croissance des investissements urgents de résilience n'est pas simplement le fait de la demande de crédit, puisqu'il y a une forte liquidité dans le pays, hein, une bonne résistance macroéconomique et une forte liquidité. Donc, il y a aussi des investissements sur fonds propres qui sont faits. Donc, la priorité, je dirais, il faut tenir pour pouvoir accélérer demain. Bon, parfait. On vous retrouve tout à l'heure. Hein, Laurent, j'aurai une question à vous poser pour les opérateurs français, hein, bien évidemment, que vous pouvez servir. Quel est un peu leur ressenti? Je poserai aussi la question tout à l'heure, hein, à Bertrand Barrier, qui sera en notre compagnie, qui dirige la chambre de commerce franco-ukrainienne. Alors, justement, Madame Cézanna, le bilatéral, la France là-bas est le premier employeur, un gros investisseur, des performances de commerce extérieur moins tournées vers l'Ukraine, moins tournées vers la zone, par exemple, hein, comme c'est souvent le cas par rapport à l'Allemagne, hein, par exemple, hein, évidemment. Alors, quel est là aussi votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut faire du flux, hein, évidemment, sur l'Ukraine? Le ressenti sur le bilatéral? Oui. Bon, la France, vous l'avez dit, est très présente en Ukraine, hein, dans des secteurs variés, le secteur bancaire, l'agroalimentaire, la logistique, etc. Il y a d'ailleurs une chambre bilatérale particulièrement active. Oui, on aura tout à l'heure, c'est ce que je disais, oui. En termes chiffrés, évidemment, avec le déclenchement du conflit, on a eu un niveau d'échange qui a régressé, qui n'a pas retrouvé à ce stade le niveau antérieur. Vous avez un chiffre à nous donner? On a un chiffre oui, ou pas à peu près? Je regarde ma fiche. On était à 2,1 milliards avant le conflit. On est à 1,8. En cumulé à import-export, c'est ça? Oui, oui. D'accord, au niveau des échanges bilatéraux. Ouais. Et on était descendu à 1,3. D'accord. Cela étant, au niveau des exportations, par contre, côté exportation, on a atteint un niveau qui est quasiment similaire à celui d'avant-guerre. On a à 1,1 et on est à 1,2. Vous voyez, c'est, avec des exportations qui sont les exportations assez traditionnelles de la France, que ce soit en matière de matériel de transport, de parfums, de cosmétiques, de produits agroalimentaires, etc. Le vin, etc. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la part de marché de la France a augmenté. Aujourd'hui, elle est à 2,8% et nous sommes passés de la 14e à la 10e. Alors, c'est loin, évidemment, de pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 8% de part de marché. Ou l'Italie aussi. Hein. De la Chine. Ouais. C'est loin de la Pologne aussi, de la Turquie, des États-Unis. Mais on est dans plutôt une phase ascendante. Et globalement, si on prend l'Union européenne, l'Union européenne est de loin le premier acteur et représente plus de 50% des échanges de... Eh bien, juste récompense, évidemment, des efforts, hein, de l'Union européenne et de l'Ukraine, donc, évidemment, dans les deux sens, oui. Vous l'avez vu, il y a des investissements qui ont fait aussi la une de la presse récemment, avec l'investissement de Monsieur Niel. De Monsieur Niel, ouais. Sur le rachat d'un opérateur de téléphonie. 500 millions d'euros, oui. Ouais, Excel. Mes collègues en parleront tout à l'heure. Les outils, l'aide, Pierre l'a dit, le soutien à l'Ukraine, il passe par différents canaux, qu'ils soient multilatéraux, européens, mais aussi bilatéraux. Mes collègues en parleront tout à l'heure, puisque nous n'avons jamais fermé, comme on dit, la politique de financement export vis-à-vis de l'Ukraine. Et on a même mis en place des instruments nouveaux, le fonds de 100 millions d'euros qui a été cité par le ministre tout à l'heure, par exemple, ou le mandat de l'AFD. Tout ça, évidemment, qui montre que, a priori, l'expertise française déjà reconnue, eh bien, sera appréciée pour, évidemment, la position des autorités françaises. Donc ça veut dire que vous avez le sentiment que les entreprises françaises, que l'ensemble des opérateurs, des administrations, etc., sont tournées, pour conclure, dernière question, sur cette reconstruction avec une offre bien française, bien placée et appréciée, donc. Hein.
Alors, là, aujourd'hui, tout le monde parle de résilience plus de reconstruction. La reconstruction, il faut y penser. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est plus, c'est le terme qu'on utilise, sur la résilience, c'est-à-dire, en gros, nous, on se focalise davantage sur des projets rapides, pas très gros, pas très importants, mais qui permettent, monsieur l'a dit, là j'ai noté son expression, de tenir pour accélérer demain, je pense oui. C'est une très bonne expression. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on finance, et on finance par exemple, on l'a fait en matière d'infrastructures ferroviaires, en matière de santé, on a financé un hôpital modulaire, etc., d'eau, il y a aussi pas mal de demandes. Moi, ce que j'ai envie de dire aux entreprises aujourd'hui, c'est que les intérêts politiques, évidemment, de soutien à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est notre rempart aujourd'hui, et on se doit de soutenir ce pays dans la situation dans laquelle il est, mais rejoignent aussi ces intérêts politiques des intérêts qui sont économiques. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un pays qui a énormément de potentiel, que son rapprochement avec l'Union européenne va démultiplier ce potentiel, et que les entreprises qui seront déjà présentes, celles qui sont déjà présentes, mais celles qui vont aussi arriver aujourd'hui, commencer à mettre un pied dans ce pays, ça sera aussi un atout, évidemment, pour demain. Et quelque part, la résilience dont on parle, évidemment, elle repose avant tout sur les Ukrainiens. Elle repose sous le soutien de la communauté internationale au plan politique. Mais en fait, elle repose aussi sur tout ce qu'on fait, nous, à titre individuel. Et vous, les entreprises, vous êtes un acteur. Vous avez à devenir un acteur de cette résilience. Eh ben merci à vous, donc Magali Cézanin. On va repartir à Kiev avec Laurent Dupuche. Je l'ai dit, hein, ouais. Deuxième banque étrangère en Ukraine. Forte présence française des banques, hein, vous, le Crédit Agricole également. Alors, quel est un peu là aussi ce que vous voudriez dire au fait du financement du commerce international, évidemment. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui se posent la question d'investir en Ukraine? Est-ce que c'est déjà le moment? Est-ce qu'il faut déjà y songer, hein? On n'est pas que dans l'activité commerciale ou de trouver un partenaire, mais aussi déjà de se positionner en investissement. Madame Cézanin disait entre les lignes, première arrivée, premier servi, en quelque sorte. Quel est le message là que vous voudriez faire passer à ceux qui voudraient se positionner sur l'Ukraine? Je suis parfaitement en phase. Hein. Quelques phrases clés pour moi. L'Ukraine doit faire partie du radar des entreprises françaises. C'est fondamental. Il faut que les entrepreneurs français, les entreprises françaises développent leur réseau, leur networking, s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, à la réalité. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut semer, car après, il sera trop tard. Quand le ciel sera complètement bleu, la victoire sera là, il sera trop tard si on n'a pas commencé à travailler dès maintenant. La résilience, on peut participer à la résilience et on peut préparer la reconstruction. On a des atouts pour ça. Ça a été dit, mais je le répète, c'est fondamental. Nous sommes le premier employeur. Les Français, les entreprises françaises sont les premiers employeurs en Ukraine. Nous étions là avant l'invasion, nous sommes là pendant l'invasion et nous serons là après dans des secteurs extrêmement variés. Nous avons une Team France complète. Ça a été rappelé, le service économique, Business France, la Chambre de commerce franco-ukrainienne, vous aurez Bertrand Barrier tout à l'heure, les conseillers du commerce extérieur, nous avons un comité Ukraine de 17 personnes que je préside, Expertise France, donc on doit s'appuyer sur cette Team France qui est présente, qui est concrète, qui travaille tous les jours. Donc c'est très important d'avoir l'Ukraine dans son radar, de mapper son activité et d'essayer de trouver des opportunités. Il y a des opportunités. Le commerce international, vous l'avez dit, existe. Il y a des mécanismes de financement du commerce international et il y a des secteurs prioritaires aujourd'hui. Donc si vous êtes sur l'énergie, sur le traitement des eaux, sur la défense et des sujets, il y a des pistes d'exportation et il faut préparer l'investissement. Alors je dis pas que c'est facile de venir et d'investir quand on n'est pas déjà dans le pays. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Par contre, ça se prépare maintenant. Et il faut ne pas hésiter aussi à venir en Ukraine et à participer aux délégations. Il y a des délégations qui sont organisées. Venez rencontrer les Ukrainiens, développer votre réseau, votre networking. Parfait. C'est important. Après, il sera trop tard. Parfait. Ben, on en parlera aussi avec Romain Destilleux, le patron de Business France sur place. Eh ben, c'est intéressant ce que vous nous disiez, parce que moi, j'avais noté quand le ministre Sobolev s'exprimait, il avait dit les besoins où les Français pourraient être bons. Hein, c'est l'agriculture, la logistique, et je vois monsieur qui opine, la métallurgie verte, hein, c'est-à-dire en gros la dépollution d'une industrie lourde qui est très, très polluée, évidemment, en Ukraine. Et là aussi, les places fortes françaises, hein, peuvent répondre, hein, évidemment, à cette demande. Merci à vous, donc, depuis...
Kef d'avoir été en notre compagnie. On va avoir une table ronde sur les outils de financement et d'accompagnement, et j'appelle d'ores et déjà Monsieur Castets, Romain Destilleux, Sandra Cassab, l'AFD, je vous présenterai Denis Lefers, BPI France, et puis Bertrand Barrier. Et on va tout de suite voir, si vous voulez, ça tombe bien, une petite vidéo de Lucas Bank, BNP Paribas Group. Vous l'avez dit, le ciel bleu et le sol jaune. Différent, grandiose,